Bonjour mademoiselle, c'est bien vous ici. Eh ben écoutez, nous on est pauvres. Moi je gagne que 10 centimes par mois. Ah oui. Je vais vous acheter ces trois magnifiques fleurs. Par contre, pour les débutants, c'est des débutants avec des fleurs, ok? D'accord, c'est un petit peu facile. Donc, je vais prendre ça, ça, et ça, c'est pas en compagnie. Alors, ça vous fera 10 342 bucks. Vous payez comment? Par espèce, par carte ou par pièce de mudas? Sachant qu'une pièce de mudas est égale à 100 000 euros. 100 000 bucks. Pardon, pour 3 fleurs, 10 000, je sais pas comment je devais payer. Vous avez dit, nous on est pauvres, allez, 10 340 bébés, maintenant. Maman, je vais être obligée de reposer les articles. Et attention, je suis très sévère sur ça. Alors, non, y a pas de... Alors écoutez, je suis pauvre, moi, mais je suis pauvre. Je suis pauvre. Je vais vous payer, je vais vous payer. Ça vous va si j'ai que 2750 bébés? C'est quand même beaucoup, hein. 350 bébés. C'est pour les offrir à quelqu'un, s'il vous plaît. C'est pour la Saint-Valentin, pour les offrir à quelqu'un, s'il vous plaît. Si vous voulez essayer de négocier, essayez de négocier. Ou sinon, c'est cette épée qui va passer sur votre tête. On va faire quelque chose. S'il vous plaît, moi je suis. Non, c'est pas ça, j'ai pas fait exprès, pardon. Je si, pas moi. Si vous voulez négocier, c'est que vous voulez négocier. S'il vous plaît. Non. C'est pas comme ça que vous allez me convaincre. Je vais reposer les articles. Reposer les articles. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, même pas en vrai. Non, pas une. C'est combien pour une? C'est combien pour une seule? Parce que pour 3, c'est 10 000. Je sais pas combien pour 3, pour une. Une, c'est 5 500 €. Et pour 2, du coup, c'est combien? C'est, t'inquiète, c'est vers 10 000 V-Bucks. Mais ça va pas être 10 000 vers 8 000 V-Bucks, voilà. Mais vous en plus, vous avez des articles si vous pouvez pas payer. En fait, vous connaissez même pas vos prix. Bon, vous reposez les articles. Mais moi, je viens de sortir du coma, j'ai plus de V-Bucks. Vous reposez les articles. Mais je viens de sortir du coma, j'ai plus de V-Bucks. Je vous ai dit, vous reposez les articles. Ou cet été. C'est bon, je les repose vos articles. Voilà. Et vous les reposez correctement. Voilà. Et vous les reposez correctement. Ça va pas la tête. Vous les reposez sur la table comme tout le monde. Merci. Sinon, ah, d'accord, vous allez d'accord. Subir le même sort. C'est bon. Sort. J'ai le même sort que qui? Il manque ces deux-là. Ah mince. Vous l'avez déjà fait à qui ça? À beaucoup de gens qui voulaient pas payer. Et d'ailleurs, c'est qui Midas? Juste parce que bon, une pièce de Midas, c'est l'homme le plus riche de l'univers entier. Une quinzaine, je suis plus riche, enfin okay. Quelqu'un que je connais apparemment, et ben il est beaucoup plus riche. C'est qui? C'est quelqu'un, vous devez pas le connaître. Ah. Pardon, oui. Beaucoup plus riche. Fantaisie. Ida, c'est le plus riche de l'univers, voire même du multivers, personne ne le dépasse. Je peux le rencontrer. Je sais pas comment le rencontrer. Et moi, je viens de sortir du coma, donc vous devez avoir son numéro ou savoir où il habite. Demandez, je sais pas, à Dionysie ou à Agent 8. C'est qui Agent 8? C'est qui Dionysie? C'est pas moi, j'ai pas son numéro, demandez à quelqu'un au hasard. Ben je connais personne ici.
J'étais peut-être bien sur le mur. Ah ben oui, c'est vrai. Je suis même pas sûr que je l'ai. Madame de belle bouffe. Madame de belle bouffe. Pardon, pardon, oui. Elle m'a vraiment fait crâle. Hein? Non, rien. Ça veut dire quoi, Ricrod? Tu comprendras. Pardon, désolé si j'ai fait ça. Si j'ai fait la chance. Vous avez de la chance. Vous le connaissez? Vous avez son numéro? Vous avez quoi? J'ai Dionysie dans mes contacts, mais j'ai pas Midas. Mais Dionysie peut toujours vous aider. Allez, go la crème, j'en ai marre. Quoi? Allez, allez, allez! Allez! Ah non, Dionysie! Oui? Oui? C'est moi, Rafa le Fio! Oui? Non! Donc là, il y a quelqu'un, je sais même pas c'est quoi son prénom. Qui veut le numéro? Ah, mon prénom c'est... Continue, j'ai oublié. Bref, il y a quelqu'un qui veut le numéro Midas. Ah, bah c'est simple, c'est rien. Eh ben merci, j'ai tout noté, allez, salut. Bon, donc du coup, c'est quoi le numéro, s'il vous plaît? C'est bon, j'ai tout noté, laissez-moi l'appeler. Juste... 2 secondes, je vais mettre le numéro dans le contact. Je vais t'offrir ça, Jean-Hit. Tes belles fleurs. Même s'ils sont un peu moins assis, mais bon. Et on finira ensemble pour la vie entière. Je suis amoureux. Pardon. C'est bon. Allez, c'est parti. Midas est disponible, mais vous devez attendre quelques secondes. Voici une petite musique d'attente. C'est quoi ça? Oh, Midas, il est tout le temps comme ça, là. Il est que des musiques d'attente. Ouais, comme si c'est bon, c'était l'homme le plus riche du monde, hein. Il se prend assez bon, il a la grosse tête. Ta tête a fait la taille d'un éléphant. Allô, oui, qu'est-ce qui se passe? C'est qui m'appelle là? T'es qui, toi? Oui, bonjour, je m'appelle Raphaël Fio et quelqu'un veut te parler. Pardon. C'est qui, je vais te parler là? C'est qui veut me parler? Attendez, pourquoi il me parle? Mais reviens par ici, toi! Elle s'échappe là, je sais même pas pourquoi elle s'échappe. Gentil! Ouais, mais gentil, on dirait pas quand tu parles comme ça. Ah, tu veux que je parle avec une voix plus kawaii, mais... C'est normal. Je vais parler normal, parce que là, je suis énervé. Il me fait peur, monsieur. J'ai perdu. Mais non, mais c'est parce que là, je suis énervé, j'ai perdu 10 games de Fortnite d'affilée, là. Bon, allez. Il va me tuer. Non, je vais mourir. Viens. Pro, le magasin, c'est quoi l'expression? Sous en dessous. Bon, tu veux me parler? C'est Maï? C'est qui, Maï? Non, mais c'est moi. Ah oui, bonjour. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? J'ai oublié. C'est pourquoi déjà? Ah oui, est-ce que vous pourrez me prêter une de vos pièces? Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Une pièce? Mais bien sûr, je peux même t'en prêter 1000 tellement que je suis riche. C'est vrai? Je pourrais offrir un bouquet de fleurs à Jean-Yves. Oh là là, d'ailleurs, je sais même pas où il est. Oh, je vais me rappeler mon prénom. Oh, ça s'appelle comment? Ah, Jean. Après j'ai oublié. Je m'appelle Agent. Agent. Ouais. Oh, ouais. Non. Je m'appelle Lynx. Lynx. Attends, tu t'appelles Agent ou tu t'appelles Lynx? Les deux. Agent Lynx. Quoi? Lynx, oui. Toi?
Ah, déjà, on se connaît pas, déjà, on vous voit les gens, s'il vous plaît. C'est impoli de dire de tu. Attendez, elle a lancé un sort d'oubliette ou quoi? Bien sûr qu'on se connaît, tu connais tout. Tu connais Agent 8, ça va? Oh, Agent 8. Ah, pardon, oui. Non, désolé, quand on dit Agent 8, je tombe dans les pommes. Ça va. Je connais pas Agent, je connais pas Genevieve, par contre. Ça y est. C'est genre là, t'as tout oublié toi. Eh ben, on va te faire remonter. Non, non. Bref, je t'envoie une pièce là maintenant. Là, elle arrive dans ta poche dans 3, 2, 1. C'est bon. Oh, une pièce. Et une pièce de Midas fraîchement. C'est bon. Allez, salut. Avant de quitter l'appel, voici une musique de fin d'appel. Oh non, non. J'adore la musique, moi. Moi, j'en peux plus. Oh, c'est ça la pièce. Elle est grande. Bah oui. Bon, attendez, je vous paye. Ok, prenez l'argent. Merci beaucoup, voilà. C'est bon, vous pouvez tout prendre. Alors maintenant, vous êtes riche, non? C'est vrai, parce qu'une pièce de Midas, c'est équivaut à 100 000 V-Bucks. Merci beaucoup pour offrir ces fleurs. Oh, je vais t'offrir ces fleurs. Ben merci beaucoup mademoiselle vous appelez comment? Moi je m'appelle Raphaël Fluo, moi. C'est un prénom? Oui, c'est un prénom. Donc vous vous rappelez donc vous vous appelez Raphaël et votre nom de famille c'est Fluo, vous appelez Fluo et votre nom de famille c'est Raphaël. Je m'appelle Raphaël Fluo. Merci. Ah les deux, et votre nom de famille? Bon, c'est bon là. Vous avez quel âge? Vous avez un animal de compagnie? Chat ou chien? Bon, je vais partir. On verra un dîner. Bon, bah, au revoir. D'ailleurs, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc bizarre? Oh, c'est du raisin. T'inquiète. C'est un gros raisin. Au revoir, madame. Je vais passer une très très bonne Saint-Valentin. Bonne nuit. Oui, c'est bonne nuit, non, bonne journée, bonne soirée. Ah, par contre, du coup, comment je vais faire des films Madame. Aïe. Vous pouvez me raccompagner chez moi, en fait, je sais pas où c'est, mais vous pourrez me raccompagner parce qu'en fait, je n'ai aucun moyen de transport. Moi non plus, j'ai aucun moyen de transport. Et payer 200 euros par mois. Vous avez 5 000 euros ? Enfin, 5 000 V-Bucks même, 5 000 V-Bucks. 5 000 V-Bucks. 5 000 V-Bucks. C'est 5 000 V-Bucks. C'est 5 000 V-Bucks. C'est pas pareil que 5 000 euros, 5 000 euros. Bref, bonne soirée. Ta 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 ta. Elle est trop cool sa musique. Par contre, il n'y a pas de passage piéton, c'est normal. Aïe. Il n'y a même pas de trottoir, je marche sur la route là. Les voitures, elles bougent même pas. Bonne soirée, madame. Bon, ça fait trois fois que je... Aïe. Ça fait trois fois que... Aïe. Puis trois fois que je l'ai dit. Bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bonne... Au revoir. Voilà. Tout.